Oui. Par sur... Oula. Bon, ça, on en a pas besoin. Oh, je viens de perdre un bout. Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un vélo complètement fou. Un vélo qui a pas deux roues, mais qui a trois roues. Je vous présente mon nouveau vélo, ce tricycle. Le tricycle doré que je viens d'acheter sur le Bon Coin. Je l'ai acheté à quelqu'un qui s'en servait plus, à un petit papy. Il m'a dit que ça en était servi deux fois. Et quand je tombais là-dessus sur le Bon Coin, j'ai dit, ah, faut que je lui donne une seconde vie. Donc, l'idée, ça va être de faire une première vidéo aujourd'hui où on va l'essayer, où je vais vous le présenter. On est dans un parc bien sympa à côté de Grenoble. Il y a un petit skatepark. Il y a des petites bosses. On va faire des sauts, des trucs. Déjà voir un peu comment il se comporte. Et vraiment, le truc que j'aimerais faire par la suite dans une seconde vidéo, ça serait essayer de lui mettre un super moteur qui puisse vraiment aller super vite. Peut-être lui faire quelques petites modifications, mais ça on verra. Et j'écouterai vos idées aussi dans les commentaires pour voir comment on peut le modifier. Si il casse pas aujourd'hui. En aluminium quand même, il est assez léger. Hein. Je pense que ça va bien cabrer. Des roues tout terrain en 24 pouces. On a quand même, s'il te plaît, 6 vitesses avec la gâchette au guidon. 6 vitesses quand même. Et en plus le truc, c'est que tu vois, regarde, la chaîne passe ici. Et là on voit bien les vitesses, ça passe au milieu comme un espèce de cardan, on va dire, de voiture avec un frein tambour, je crois que c'est un frein tambour, avec le porte bébé derrière, le porte bagage, voilà, hein, un petit guidon de mamie, oula, qui tourne un peu. Ok, on va les resserrer ça tout à l'heure, ça peut être dangereux effectivement. On va essayer, on va voir un peu déjà, première sensation, je vais monter déjà dessus. Ah ouais, je vais faire un tour, ok, premier petit tour, on va tout, oula, ça commence à sauter, ouais, j'ai touché les vitesses tout à l'heure. Mec, il est tellement pas rigide le vélo. On peut faire du deux roues. On va accélérer un petit peu, on va tester les freins. Waouh, ça burn. Je patine dans tous les sens. Le frein. Ok, c'est bizarre, t'as vu, il n'y a que un frein. Celui-là, il freine pas. Bizarre le système. Pourquoi quand je freine, il n'y en a qu'un seul qui freine? T'as vu, ça bloque qu'une seule roue. Bizarre ce truc. Et même quand je pédale, je crois. Quand je pédale. Il n'y a que la roue de droite. En fait, tout se passe sur la roue droite, c'est ça? Ouais, mais je pensais que ça faisait tourner, tu vois, tout, toute la barre en même temps. Fais voir un truc. Si je le soulève... Non, tu vois, regarde, pourtant, les deux tournent. Ah ouais, c'est bizarre. Et tiens, l'autre, là, tiens ici. Ah ouais, ça bloque. Mais alors, pourquoi l'autre, elle tourne quand même? Ouais, c'est bizarre. Ouais, du coup, il y a un différentiel, en fait. D'accord. C'est pour ça que quand je pédale, ça burn que de la roue droite. Ok. En fait, tout va se passer sur la roue droite. Mais alors, ça veut dire si je fais un deux roues comme ça, en fait, je pédale dans le vide. Je pourrais pas faire de deux roues dans ce sens-là. Je peux faire du deux roues comme ça, mais je peux pas faire du deux roues comme ça. Ah ah, ça mériterait quand même d'avoir deux roues en propulsion à l'arrière, ça, si on peut le modifier. Bon, là, il y a un petit jeu fonctionnel qui commence à arriver, mais bon, ça, je pense que c'est normal, tu vois, ici, là. Déjà, mon gars, il y a tout qui bouge, là. Tu vois la rigidité du vélo? Regarde, j'ai les deux freins, là. Regarde comme tout bouge. Regarde la rigidité du truc. On dirait, je vais casser la fourche à chaque fois que je freine. Oh, je sais pas si ça va terminer la vidéo, ça. Ah, merde. Oh, on a un propulseur... Mec, j'y ai fait un petit trou. Bah, faut vite la boire. Merci à Bang Energy aussi. Ils sponsorisent cette vidéo. Ils m'aident à avoir de l'énergie. C'est une boisson qui vient des États-Unis, vous connaissez. Pas de calories, pas de sucre. Goût pina colada. Du coup, parfait. C'était assorti au vélo, effectivement. Bon, ça m'inquiète un peu quand même, cette rigidité. Et regarde, la rigidité latérale. Tu vois comment c'est fixé là? Le cadre, je pense qu'il est fait en deux parties. En fait, je pense que c'est un cadre normal. Et après, tu peux adapter un... sur la patte arrière, tout ce bras arrière. Regarde comme c'est pas rigide. Regarde ça. Même dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'il va casser. Mec, ça fait flipper. Qui dit un vélo qui tord, dit peut-être qu'il va pas casser. C'est un peu comme le bambou. Donc on... Ah ouais, du coup, quand je veux faire un wheeling, vu que c'est tout sur la roue arrière, en fait, dès que je fais un wheeling, mec, je tourne. Ah, c'est trop chelou. Est-ce qu'on peut faire des manioles juste alors? Ok, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Stoppy? Ouais, c'est quand même le poids de l'avant comparé à l'arrière. Il y a peut-être moyen, vas-y. Allez. C'est horrible. Allez. Voilà. Stoppy, t'es prêt? Oh. Oh. Merde, j'ai arraché le panier. Bon, voilà, on vient déjà de perdre un bout. Bon, ça, on en a pas besoin. Après, si tu veux, je pourrais t'amener comme ça, genre, pour se faire un sidecar, tu sais. Non, t'as pas envie? Avec la canette, là. Oh. Deux roues, deux roues. Yes. Prêt. Oh. Bon, je vais quand même aller resserrer le guidon. Et puis, on va essayer les gros tricks maintenant. Tcha. Yo. Bienvenue au skatepark. Un beau skatepark qui a été aménagé plutôt typé skate, mais ça va être sympa parce qu'il y a des petits plans inclinés, des petits trucs qu'on va pouvoir tester avec le vélo. Et là, j'ai envie d'essayer à trois escaliers déjà. On va voir ce que ça donne en descente. Regarde ça. Testons la descente déjà. On va y aller tranquille pour le premier.
Ok, ça va, ça va. Je crois que c'est possible de les sauter. Ça fait peur de laisser le vélo direct, hein. Juste à gauche là. C'est pas trois escaliers, c'est juste un petit trottoir avec un peu d'élan, voir ce que ça pourrait donner. Ouh. Quand je cabre en fait, le vélo il part de travers. Moi je pense que c'est possible. J'y vais ou quoi? J'y vais? Je serais con de casser le vélo direct. Faut que je prenne un peu de speed par contre, hein. Hop. Ouh. Le vélo il tortille dans tous les sens. Mais bon, il résiste bien pour l'instant, hein. Petit dévers là. Petit dévers. On va tester. Oula, je pars de l'avant. Je pars l'avant, je pars l'avant. Yeah. Oh. Je sais pas ce que j'ai foutu. Genre là, hop. Yo. Faut que je fasse gaffe parce que mon dérailleur, il est en plein milieu. Du coup, si je suis sur un module, et ben je suis soit que sur une roue, soit ça racle. Je vais arracher le dérailleur, donc faut que je fasse gaffe ça. Ce truc, je vais l'oublier, c'est sûr. Allez, petit défi, qu'est-ce qu'on peut se faire là? On va aller voir ce qu'il y a. J'ai un autre petit souci que je viens de rencontrer. C'est qu'un détail, mais le frein n'était pas très serré. C'est un frein, hein, ça attend, tu vois? Ça à quoi? Ah oui, j'ai un frein à main, j'avais pas vu. Ah non, bah ça marche pas. Enfin, c'était censé peut-être être un frein à main. En gros, j'appuie, je bloque, ça me bloque mon frein. Ah si, ça marche un peu. Ok, ça fait petit frein à main. Pas mal, pas mal. Tu veux monter derrière? Allez, je te fais une petite visite du parc. Du coup, ça, je pense que mon tricycle, il va être pas assez large pour monter dessus, c'est dommage. Tu veux essayer celui-là avec moi? Oh, déconne. Ça? Ouais, possible. Ouais. Celui-là, je peux les descendre normalement. Ça prend de la place, ce truc. Oh, il y a un magnifique bol après, hein. Pas sûr de pouvoir aller dedans, mais non, je pense pas aller dedans, non. Mais il est bon en tout cas, par contre, il est beau ce bol, hein. Ouais, j'avoue. Vas-y, petit escalier déjà, tranquillou. On y va, pépère. Ouais, ouais, ouais. Ouais, yo, yo. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vas-y, let's go. Ouais, yo, 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 yo. Ah, ça y est, encore un peu de jeu dans la fourche. Plus en plus de jeu là, ça commence à m'inquiéter là. Tu veux que je saute quelle marche du coup? Non. Celle-là là? Non, la connerie ça. Là, du coup, faut que je penche le vélo. Oui, oui, oui. Oh, je viens de perdre un bout. Je crois qu'il a pas résisté, ça y est. Aïe, aïe, aïe. Regarde, j'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est pas cassé, c'est déboulonné. Ah ouais, en fait, c'était pas serré, ça. Ça s'est desserré. Ah mais attends, j'ai tout perdu, là. Ça vient d'où, ça? Ah bah là, ouais, il marche moins bien, là. Non, mais je pense que c'est juste des boulons. Faut juste que je resserre et c'est bon, en fait. Je pense que c'est juste desserré, en vrai, mais... Ouais, vas-y, on repart au camion. Tout là, ça s'est barré. Mama, la mécanique. Mais tu vois, même celui-là, il était pas serré en fait. Il y a tout qui se barre. C'est pas tout de suite. On va devoir le renforcer un peu, hein, si on veut y mettre un moteur là. Ouais, faudra genre souder une patte là. J'ai réussi à remettre le cadre. Ça va repartir, mon gars. Allez, ça repart, je crois. Tout va bien. Petit test. J'ai la chaîne. Ah, j'ai déraillé. Ok, c'est un détail aussi ça. Bah voilà. Non, en vrai, ça a l'air d'aller. Allez, on est reparti. Merci vraiment à Bang de sponsoriser la vidéo. Ça, on va pouvoir pimper le vélo grâce à ça. Ça repart. Ouh. Bon, ça y est, le vélo est réparé. On repart sur... Oula. Presque réparé, du coup. Merde, c'est quoi ça? Bon, on a une selle amovible. C'est pas grave, ça c'est qu'un détail. Ça bougera un petit peu dans la vidéo. De toute façon, on n'a pas besoin de selle. Du coup, on repart là-dessus. Je fais du cheval, c'est ça. Vas-y, je vais me la mettre dans le cul, ce truc, hein. Ça fait... Je vais la mettre comme ça, au moins je crains rien, voilà. Yop. Allez, je suis nickel là. Je vais prendre un gros virage ici. Là. Voilà. Stoppy. Défi numéro 1. Validé. Est-ce que mon dérailleur il va toucher si j'essaye ça? Bon, le pédalier c'est un détail. Ah ouais. Ah, c'est dommage. Voilà, j'aurais tout raclé. Par contre, je racle que le pédalier, hein. Je racle pas le reste. On va trouver un autre truc, c'est pas grave. Non, mais c'est pareil, je vais frotter là. Au pire, ça frotte léger. Mais par contre, après, boum! Mec, je vais fracasser mon plateau pour toi, quoi. Pour ton idée. La descente de la mort. Défi numéro 2. Allez. Aïe. Faut que je la... Allez, facile. Ouh, la selle. Aïe, 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 aïe. Ah, je me la suis plantée. Ah. Ouh. Tu veux jump? Cette jump est arrivée dans la descente. Ok. Bon, ah oui, le vélo, je sais pas. Vas-y, on essaye. Enfin, j'essaye tout seul, quoi. Ouais, en vrai, ça va, je pense. Ouais, faut arriver vite. Let's go. First try. Ok, il y a moyen de faire du trial avec. Ouais, bah alors, regarde, là, je suis frein serré. Le frein arrière serré à bloc. Tu vois un peu le frein qu'il y a? Déjà, il faut se faire au vélo. À la taille du vélo.
Ah non, c'est chaud. Ah, merde. Je me disais, le vélo, il était pas comme avant. Je crois qu'il y a un petit problème. Aïe, 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 merde. Tu crois que c'est cassé ou c'est juste plié, là? Ah, merde. Le vélo est pété, ça y est. Ah, je crois qu'il a pas trop résisté au truc, là. T'as le tube, en fait, ici, il est passé à travers. C'est sûr qu'il va casser, là. Je pense que si je fais appel à un soudeur, genre qui me soude une barre de là à là, on peut peut-être le rafistoler. J'attends vraiment vos idées. Ouais, je vais pas réclamer les pouces bleus. Je vais juste dire que j'ai envie de faire un deuxième épisode, que s'il y a un soudeur sur Grenoble, je veux bien qu'il m'aide, ça serait sympa, qu'il me contacte. Franchement, ça ferait plaisir si on peut essayer de le rafistoler avec une petite barre là. Comme ça, mon vélo pourra repartir. Et si vous avez des idées de vidéos du coup avec cet engin, alors moi j'ai l'idée de lui mettre un moteur, mais si vous voulez que je parte faire une descente à VTT avec, ou je sais pas, faire un truc, faire des modifs, si vous avez déjà vu des trucs, marquez dans les commentaires, ça me fera plaisir, je vais tous les lire parce que j'ai envie de continuer l'aventure de ce tricycle. Pensez à vous abonner, ça fera plaisir. Allez, ciao. Salut, hein, moi je repars en vélo. Hein. Peut-être backflip, hein. On pourrait envoyer un backflip avec. Non? Peut-être.